projectionniste depuis 8 ans maintenant. Et j'ai repris le cinéma de Barjols en créant une asso il y a un an. Quand le cinéma a fermé subitement, j'ai tout de suite été voir le maire pour lui proposer ma candidature pour reprendre l'exploitation du cinéma. Et le maire tout de suite m'a dit oui, ok, on y va, puisque c'est vraiment une volonté que Barjols garde son cinéma et que le cinéma du village continue à marcher. On a monté les docs du jeudi, on fait des ciné-goûters, on essaye de créer des événements, on travaille avec les associations du coin, on essaye de faire en sorte que le cinéma soit un point central de la culture à Barjols et qu'il soit ouvert à tous et que tout le monde puisse venir et y trouve son compte. Pour nous, c'est vraiment une... un lieu ressource qui nous apporte pas mal de satisfaction par les programmes qui sont diffusés avec des films récents souvent. Quand je suis arrivé à Barjols, je me suis aperçu qu'il y avait une très belle salle, donc j'étais étonné. On n'est pas isolé, on n'est pas loin à la campagne, on est vraiment en phase avec la création qui se fait maintenant. C'est un cinéma art et essai. Donc on a quand même, même pour un, on n'a pas tous les films qui sortent, tout ça, mais le choix de la personne qui s'en occupe est vraiment très, très pointu quelquefois. Je viens à pied, la salle est de grande qualité, c'est très confortable, le son est parfait, l'image numérique impeccable. J'aurais été malheureux que cette salle ferme parce qu'il en était question pour un moment. Depuis l'ouverture, le 20 mai 2015, vous avez été 11 043 à venir, précisément, je suis très précise, à venir au cinéma. C'est du jamais vu depuis très longtemps, donc déjà, premièrement, je suis ravie. Il y a eu 585 séances et 213 films différents. C'est un lieu qu'on aime bien fréquenter. En plus, depuis quelques temps, il y a des actions ou des événements qui sont créés. Je me souviens par exemple de celui où on avait vu un film sur l'Arménie, où il y avait la salle était pleine et où ça avait été vraiment très intéressant. Et il y a un certain nombre d'événements comme ça qui sont créés, qui sont valorisants et pour le cinéma et pour le public. On a vu récemment le film Les Habitants. Ce film en soi, comme ça, on est sorti, on était un peu attristé, un peu. Spontanément, on ne se connaissait pas entre nous. On était 10, on est resté une demi-heure, trois quarts d'heure à parler du film dans l'entrée. Et ça, c'est Séverine, je suis désolée, mais elle réussit à réunir tout le monde. C'est pas elle qui a engagé la discussion, mais on était tous interrogés. Mais comme elle est là, elle est présente, il y aurait un caissier, on serait parti. Le cinéma de Barjols revit et c'est aussi grâce à vous. Et voilà, et je voudrais faire aussi une petite dédicace à tous les habitués qui viennent, ils sont nombreux ce soir. Je ne vais pas tous les nommer, mais ils se reconnaîtront parce que c'est grâce à vous que le cinéma continue de marcher. Et vraiment, je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup d'être là. Voilà. Je n'ai pas encore pris de salaire justement pour essayer de pérenniser Artifilm, que Artifilm soit solide, pour que la structure ne ferme pas dans quelques années, puisque le cinéma c'est quand même assez aléatoire, hein, premièrement. Deuxièmement, ça coûte extrêmement cher et ça demande aussi beaucoup, beaucoup d'investissement, hormis bien sûr les heures de présence aux séances. Et on essaye de faire en sorte que Artifilm vive et soit en forme et aille bien. Voilà. Et pour l'instant, c'est le cas. Je voudrais qu'il y ait encore plus d'événements parce que vraiment, je pense qu'on peut faire des choses. Je voudrais vraiment qu'on continue à faire partie de cette vie associative et culturelle et qu'on continue comme ça. Je veux que les gens continuent de venir et puis continuent d'être contents. C'est très important pour moi, le fait que chacun puisse trouver son compte,
que ce soit des films en VO, des documentaires, des films pour enfants, des films grand public, et puis continuer à essayer d'avoir les films le plus tôt possible pour éviter qu'ils aillent ailleurs, puisque nous avons un cinéma de qualité qui n'a rien à envier aux grands.